C'est Jack Ruby et on se retrouve sur du Pokémon diamant étincelant, bordel. On va continuer la suite de nos aventures. J'ai tellement fail sur cette intro qu'on va continuer. On doit aller à l'école Pokémon, je crois que c'est ça. L'école Pokémon. Ah, il est là. Je dois lui donner son colis. Oh, t'es là, Jack Ruby, t'es venu étudier toi aussi. J'ai pris des avances en mémorisant tout ce qui y est sur le tableau. Oui, le dresseur a le devoir d'apprendre à éviter que les Pokémon se blessent au combat. Bah oui, bien sûr, normal. Et toi alors, qu'est-ce qui t'amène ici, hein? T'as quelque chose pour moi? Pour lui donner le collier. J'ai l'impression qu'on est dans la première génération de donner le collier au professeur Chen. C'est quoi? Hein? Une carte géniale. Mais pourquoi il y en a deux? Un seul, ça me suffit. Du coup, tiens, Jack Ruby, je t'en donne une. Ah bon, voilà. Bah, merci pour la carte. Je pense qu'elle a pensé à moi, la maman. D'après la carte, je dois me rendre à Cherbourg, maintenant. Il y a la reine là-bas, ce sera parfait pour endurcir le Pokémon que je viens d'attraper. Je suis sur le point de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Allez, salut. Salut. Tu viens deviner le dresseur en vrai, tu devrais renseigner le sujet. D'accord. Ça je connais, j'ai pas besoin d'étudier. Moi. Je connais à peu près les types aussi. Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu veux toi? Que vois-je? Un dresseur de Pokémon sans Pokémon... Pokémontre? Tu n'as jamais entendu parler du Pokémontre? Au moins, si tu préfères, eh bien, tu as vraiment le drôle de... Quoi? De quoi? Ok, heureusement, c'est en jour de change. Je suis un fabricant de Pokémontre. Voici-tu. Et il se trouve que je mène un campagne de promotion en ce moment. Il te suffit... Ah, 4 oiseaux, putain. J'ai lu tellement vite. Il te suffit de retrouver 3... Il te suffit de trouver 3... Arlequins. Comment ça, Arlequins? C'est quoi ça encore? Je dois chercher dans cette ville de merde encore? Oh... Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord. Bon, on va parler à tout le monde. Trois clones si tu veux. Ok. De niveau maternel, d'accord. Tu veux te battre, la meilleure façon d'apprendre. Allez, go. Ah d'accord, bon d'accord, allez, vas-y. Allez, let's go. C'est qui comme Pokémon? Un arbre? Un arbre, d'accord. Pokémon Psy. Bon, ça va, ça fait pas mal. Coup critique quand même. Il augmente son attaque, ok. Dans les flamèches. Allez, ça part. Qui a monté? Ah, il y a Lexi, ok, et puis Etormier. Ah mince, c'est donc comme ça que ça se termine? Bah ouais, bah bien sûr ça se termine comme ça c'est dur de gagner si tu n'as pas beaucoup de Pokémon. Bah ouais.
Je viens juste de devenir ami avec mon Pokémon. Je ne sais pas si on va bien débrouiller. Mais acceptes-tu de m'affronter? Attends. Avant t'affronter, je vais soigner. Je sais pas ce que t'as comme... Je sais pas qu'est-ce que t'as comme Pokémon, hein, donc je suis pas un expert de ce Pokémon-là. Je viens juste... Blablabla, oui, si tu veux, allez, comme ça, on va augmenter nos levels. Et on va Abra... Ah, encore un Abra ! Ok. Il faut que je trouve des clowns, c'est ça? Ok. Je sais pas, je vais visiter, on verra bien. Je vais bien les trouver, ces grands paillasses là. Yes, ok. Yes, sir. Thanks, man. Oula, t'es un coup toi, hein. Je pense qu'il va prendre vive attaque, ouais, j'ai bien pensé. Je vais pourtant tellement étudier, bah étudier c'est pas ce qu'il donne aussi, il faut se forger en travaillant. je suis impressionné, si tu veux, va parler à mon ami, il te donnera un CT. Un CT, ok. Oh, tu es incroyable, on a beau étudier tous les jours, on ne t'arrive pas à la cheville. C'est quel c'était? C'était 10. J'ai pas vu quel c'était quoi. C'était 10 permet d'apprendre rengorgement à un Pokémon. C'est pas... Capacité augmente l'attaque et l'attaque spéciale si on l'utilise lors d'un combat. Mais attention, le CT sont usagés uniquement, alors réfléchis bien. On va le garder. Bon, pour le moment, on n'en a pas besoin. Alors, nous promener, puisque apparemment, il faut trouver des clowns. Je vais me tromper. Ah, c'est ces clowns-là. D'accord. Salut, je suis Harlequin de la campagne Pokémon Centration. Voici la question. Un Pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience? Ben oui. Bravo, c'est une bonne réponse. Le Pokémon devient plus fort en gagnant. Certains changent même d'apparence quand il devient assez puissant. Bon, c'est normal, normalement c'est un jeu pour enfants, donc c'est normal qu'il pose cette question. Tiens, tu vas bien mériter ton bon numéro 1, d'accord. Merci. On va en chercher un autre. Ah, il y en a un là-bas. Bonjour toi. Si je suis campagne Pokémon, un Pokémon peut-il tenir un objet? Bah oui. Oui, il peut tenir un objet, oui. Un Pokémon peut tenir un objet. Dans certains cas, faire tenir un objet, un Pokémon suffit pour que ça bénéficie de ses effets. Un baie, machin, dia, oui, je sais qu'il peut avoir une baie ou bien quoi que ce soit. Ok. Alors là, il n'y en a pas un. Là non plus. Voilà, il y en a un là. Salut, je suis un peu d'accord. Les capacités ont-elles des types comme des Pokémon? Ben oui. Putain, j'allais dire non, hein, mais j'ai dit oui, hein. Si un Pokémon utilise capacité d'initiative, blabla, merci pour le bon 2, au revoir, merci. C'est une question débile, ok. Plutôt les questions un peu plus compliquées que je risque de m'emmerder. Bon. Waouh, j'ai réussi, c'est incroyable. Alors, bonjour. Attends, non. C'est... Bonjour, es-tu de caler la matérielle des Pokémon? Oui. Moi-même, je savais pas qu'il y avait des types sur les attaques. Oui, normalement, oui. De caler en matière de Pokémon. Oui.
Tu sais, dans beaucoup de choses sur le Pokémon, c'est bien. Dans ce cas, je suppose que tu n'as pas prévu de te rendre à l'école Pokémon, mais tu devrais y aller. Il est où ce con là C'est déjà lequel qui m'a. Ah, c'est lui, voilà. Merde, je me suis trompé. Bien, allez, montre-moi. 1, 2, 3, bon, bravo. Tu devrais même plus dire bravo. Échange des bons, je t'offre ce Pokémon. Vous optez les Pokémon. Tu peux ajouter une application à ta Pokémon pour te rendre encore plus polyvalent. Appuie sur R pour. Putain, j'ai le nez qui gratte, super. Appuie sur la touche R pour utiliser la Pokémon touche à l'écran. Ok, blabla, ok. Dommage qu'il soit pas comme ça en vrai la vie. R, c'est où? C'est où R? Ah, voilà, ok. Putain, c'est comme à l'ancienne. Ok. Je peux pas l'enlever le. Tu le laisses. Bon, alors on va le laisser comme ça. Allez. Alors, maintenant. Je pense qu'on va juste soigner nos Pokémon. Si j'appuie R enfoncé. Ah ok, tu peux l'enlever. Je pense que c'est plus agréable que ça. Il n'y a pas normalement la carte dessus normalement. Pose la question. Non, c'est bon. Non. J'ai pas envie de. Il semblait qu'à l'époque il y avait la carte. Bref, allez, je pense qu'on doit aller par là. Félicite la ville de joie. Par là, je pense qu'il faut. Ah, bah voilà. Jack Lee, je crois qu'il veut se battre. Fuck. J'ai oublié de changer quelqu'un. Bon, c'est pas grave. Il a deux Pokémon. Je pense. Non, il va pas amener un petit peu. Ok, il amène. Et Tourmi, d'accord. Comme ça, on amène Mysticram. Quel level? Déjà niveau 7? Ok. Oh mais le nez, bordel! T'appelles pas le combat fait comment? Fait de commencer. Bah ouais, bah, je pense. Par contre, une question, peut-être tu peux me dire, ok. Si les Pokémon ils sont KO, est-ce qu'ils reçoivent des points d'expérience ou pas? C'est, je me pose la question en fait. S'ils sont KO. Lexi, d'accord. Prends chargeur. Chargeur, c'est une attaque, je pense. On peut même pas changer. Ok. Lexi, allez. Ta-ta-ta. Baissons. Écrase-face, ok. Bon, ça va. Je tiens bien. Juste toi. Ok, c'est pas... D'accord, ok. C'est une augmentation de... D'accord. Attaque éclair. Ah, il a l'avantage, ok. Un coup critique.
J'ai bien fait d'attraper Slexi. Mon Pokémon a presque plus de PV, ça craint. Bah ouais. Ah, rugissement. Ça servira à rien, mais voilà. C'est super efficace, ok. Abattu Albos. Mais c'est quoi ce délire? J'ai perdu. Bah ouais, t'as perdu. T'as perdu, mon très cher Albos. Quoi? Comment ça, j'ai perdu? Je te préviens, c'est pas prêt de se reproduire. Ah bah oui, malheureusement, oui, ça va se reproduire. Je vais devenir le dresseur le plus fort du monde, tu vas voir. Je vais commencer par battre le champion d'arène de Charbourg. Je vais m'entraîner à fond pour y arriver. Bon, sans Pokémon. On verra sur la route si on attrape encore d'autres Pokémon, mais je crois que non. À moins qu'il y ait un Pokémon intéressant. Bonjour, bienvenue au centre PV. D'accord, oui. Merci d'avoir... merci, au revoir. Je vous aime bien, infirmière Joël, mais pas à ce point-là. Bon. Allons par là. Gamin. Yanni le gamin. Kenotor. J'ai hâte qu'il attaque des attaques combat. Flamèche. Parce qu'il me semble, le premier arène ici, c'est type rush, je crois. La première arène. Il me semble. J'ai un doute, hein, mais il me semble que oui. Notre Seraptier. C'est vrai qu'un instant fer, je dirais pas non. Je sais pas comment on fait avec un obstant fer. Peut-être changer avec Ketormi, avec un obstéral type, une obstéral taux. Type poison, type vol. Ouais. Pas de soucis. J'étais en train de me dire... de peut-être attraper un Obstéralty pour faire un Obstanfer, mais il faut du bonheur, je crois, c'est ça, hein. Comment ça se passe déjà avec ce bonheur à la con? Ah oui, je t'avais posé une question, mais je pense que t'étais pas là. Si les Pokémon, ils sont... Il évolue par niveau, ok. Ah, ils ont peut-être changé alors. Donc, notre Sferapti, notre Sferalto, notre Stanfer. Ok. Et en Stanfer avec le bonheur. D'accord, ok. Ouais, il me semblait qu'il y avait un truc bonheur comme ça. Si un de mes Pokémon, ils sont KO, est-ce qu'ils prennent de l'expérience quand même ou pas? Je te pose la question comme t'as joué. Je vois un peu, je sais pas si c'est un peu la même chose que bouclier, j'ai un doute maintenant. Non, ok, il faut bien qu'il soit... qu'il ait de l'énergie, ok. Et il y a un cycle jour-nuit dans ce jeu. Juste pour savoir. J'ai pas été me renseigner, pour être honnête. Ah, il y a un cycle jour-nuit. Ok, d'accord. Donc ça veut dire un Obstéralty compagnie, il faudra aller jouer durant la nuit. Ok, durant le sort.
À moins que je vais dans une grotte. Il me semble que le premier badge, c'est type... c'est synchronisé... En temps réel, ok, ouais, ouais. Il me semble que le premier badge, c'est... c'est type roche, si j'ai pas de conneries. Peut-être acier. Mais si tu veux, tu peux bidouiller le console pour faire les sortes de... qui fassent jour et nuit. Oui, 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 ouais. Il y a un truc que tu peux faire sur la Switch, il me semble. Tu peux faire. Pas de problème. Ouais, c'est roche. Ouais, il me semblait. J'ai l'impression les... Premier, troisième et quatrième génération, c'était type roche, les premiers badges. Sauf la deuxième génération, c'était type vol. Que j'adore cette deuxième génération. J'ai hâte, franchement. J'aimerais bien qu'ils fassent la deuxième génération sur Switch. Honnêtement. Même si c'est en chibi comme ça, ça me dérangerait pas, personnellement. Ils ont bien fait Pokémon Let's Go avec les premières générations, pourquoi pas. On verra bien. Par contre, pas noir-blanc. Pas noir et blanc. J'ai testé noir-blanc. À vrai dire, je ne l'ai même pas acheté. J'avais regardé des vidéos à l'époque. Mais qu'est-ce que j'aimais pas. J'aimais pas l'histoire. J'aimais pas... Je crois que c'est vraiment les seuls épisodes que j'ai jamais fait. Quoi. Peut-être je ferai, on verra. Je sais pas, c'est une génération que j'aime moins, quoi. J'aime pas les trois starters de noir blanc en fait. T'as pris qui comme starter au début du jeu? Rose bouton. C'est une plante. Pupelier est cool. Ouais. Ah ok, t'as pris Mystic Ram aussi, ok. J'aime bien Noir Blanc. Après, si c'est de votre génération, je comprends, tu vois. Après, moi, ma génération, c'est la première, quoi. C'est les débuts de Pokémon. J'étais gamin quand Pokémon est sorti en 90... en France, en 99, je crois. Ouais, en francophonie, quoi. Parce que moi, je suis suisse, hein. Après ce combat, je saurai si je suis prêt à battre un champion. Mais tu l'as fini le jeu ou pas du tout? Un match choc. Ah, tu finis la ligue là? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Machoc. Alexis, ça monte, hein. J'imagine que pour moi, l'arène, c'est pas pour tout de suite. Bah ouais. Faut t'entraîner. Et avoir d'autres Pokémon, évidemment. Ah, fuck. Le champion de l'arène de Cherbourg m'a donné un badge super cool. Ok. Alors, qu'est-ce que t'as comme Pokémon? Et Tourmi? Mysticram. Prendre... On va prendre les Pokémon qu'il faut.
sexy. Bon, ça va. Ah, puis de même, il te dit c'est super efficace ou pas. Ça, c'est bien, ça. Pour les gens qui connaissent pas le jeu. Oh, t'as pris cher, toi. Ça, c'est... ça, j'aime bien ce genre de... d'informations que tu sais ou pas si tu peux attaquer. Après, il faut connaître le jeu, bien sûr. Ah, il apprend Cruel, ok. Bacanator. Par contre, on peut pas changer de Pokémon durant le... Ah, paralysé, ok. Il est paralysé. Efficace, c'est efficace quand même. Ah, efficace, ça veut dire que c'est normal, ok. D'accord. Si c'est super efficace, c'est super efficace, ok. Oh, j'ai perdu, oh là là. Bah ouais, t'as pas de chance. Tu n'as pas de chance. Qui je vais croiser? Un tourmier. Ouais. Allez. Bon, vas-y, on va... On attaque comme ça. On a les points d'XP. Prends tous les points d'XP qu'on peut. Parfait. Une Pokéball. Ah, j'ai une repousse, ok. Qui arrive là? Un tourmier. En plus, tu te casses pas trop la tête avec Pokémon. Moi, ça me dérange pas ce système de combat sur Pokémon. Il y a beaucoup ça, alors ça l'embête parce que ils aimeraient autre chose, mais je trouve que c'est assez compliqué à changer une méthode qui marche, quoi. Ouais, tu pourrais faire d'autres. Bah, on verra les gens de Arceus, on verra bien. One Punch. Oh, une attaque combat. C'est bien une attaque combat. Ouais. On va enlever un gros yeux. Ça sert à rien. Pardon. Alors. One Punch. C'est quoi une grotte? Ah ouais, c'est une grotte, d'accord. Non, on va pas aller tout de suite. On va aller... Bon, quoi que. On pourrait soigner nos Pokémon là. J'ai oublié que c'est jamais start dans ce jeu. Utiliser... Je veux utiliser les soins... Oh, mais vas-y! Voilà. Peut-être tu peux me renseigner, ok. Pour le bonheur, tu fais comment, en fait? Tu dois avoir tout le temps le Pokémon sur toi, ou bien... Je sais pas. Peut-être faut donner de la nourriture. Je connais pas assez, malheureusement. Bon, normalement, avec Point Punch, normalement, je peux faire mal au Pokémon Rush. Soit tu fais tenir l'objet Grêle... D'accord. Il faut le soit combattre, soit... Ok, d'accord. Ça fait pas très longtemps que tu es dresseur, non? Mais c'est super, plus on est fou, plus on rit.
Laisse-moi t'offrir une CT à appliquer pour un Pokémon. C'était 98, donc 98. Qu'est-ce que c'est ce CT? Ce CT est éclair roche. Au fait, le CT permet d'enseigner des capacités aux Pokémon, mais attention. Oui, il y a usage unique. Réfléchis donc bien avec... Parlons maintenant de l'application que j'ai installée sur ton Pokémon. C'est l'application Capacité Secrète. Si tu utilises l'éclair roche via celle-ci, tu pourras briser des petites roches qui te bloquent le passage. Enfin, ça ne fonctionne que si tu possèdes déjà un badge de l'arène de Charbourg. Car en fait, le badge d'arène sont nécessaires pour utiliser les capacités secrètes. Sur ce, là, j'ai hâte de voir la progression que tu vas faire grâce aux nouvelles applications. Capacité secrète. Les capacités de l'application pour Pokémon, capacité secrète, permettent de franchir des obstacles qui vous barrent la route. Ok. Donc ça veut dire quoi, la CT 98, c'est une CT comme Surf ou bien comme ça, si je comprends bien? Capacité secrète de Pokémon, porter à coup de poing à l'ennemi, ce qui peut baisser la défense. Ok. Je pense que c'est ça. Lexi. Laisse ma défense. Essayez, point punch. Ok. Ah, il augmente l'attaque. L'attaque augmente. Gros yeux. Ouais, il fait mal en plus, hein. Ne paralyse pas, s'il te plaît, merci. Allez, griffe, parfait. Je manque peut-être d'entraînement. Ah, bien possible. Ah, Pokémon. Qui ça va être? Rakayu. Rakayu sauvage apparaît. Un petit Rakayu. Ouais, c'est super efficace, il me semble. Donc les Pokémon en roche. Par contre, ce qui va être chiant... Il va être très très chiant, c'est comme ça... Ah, il a fait tempête de sable. Allez. Ok, comme ça on sait qu'avec lui, les Pokémon Rush, on peut les battre avec point punch, ok. Ça je sais. Rose bouton. Un petit rose bouton. Alors, Flamèche, allez. Flamèche. Oh merde, un psychocoque, j'ai pas vu. On a changé.
Psychoquack. Pourquoi pas un Aquaquack, quoi. Avec les attaques psy. On va voir, faudra voir quel type, quel Pokémon je veux prendre. Peut-être un Aqualie, on verra. Ok, parfait. Bon, j'espère que fêter... Je pensais fêter ça avec une victoire, mais j'imagine qu'une défaite fera aussi l'affaire. Bah, t'as pas le choix. T'as perdu, hein. Ok. Cherbourg, on est à Cherbourg. Salut dresseur, si tu n'as aucun badge, les hauts dresseurs vont te regarder de haut. Alors laisse-moi te montrer où se trouve la reine de notre ville. Tiens, il y a quelqu'un devant la reine. Avant d'aller dans la reine, je vais aller me soigner. Soigner. S'il te plaît, merci. Merci. Voilà. Ma question est, est-ce que Timmy va... Albos va me battre. Pourquoi je pense toujours à Timmy? Hein? Ah. Oh, c'est toi, Jack Booby. T'arrives enfin. Tu traînes toujours autant. Tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps. Il a dit qu'il devait aller au... Ah oui, mince. Cherbourg. Ah, purée. Je dis ça, je dis rien. Tu fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, j'ai déjà mon badge. T'as déjà son badge, lui? Ok. La mine de Cherbourg, c'est pas par la travers. Ah, je crois que c'est là-bas. Allons voir ça. Je crois que c'est ici. Ah, il a déjà eu son badge, quoi. Oh bah lol. Ah, d'accord, je peux pas aller là-bas. Je peux pas aller là-bas non plus, d'accord. Ah, je peux aller là. Ah, il y a un Pokémon, d'accord. Rakaillou. Le très cher Rakaillou. Niveau 7. D'accord, quand tu combats une fois un de ces Pokémon, tu sais si c'est super efficace ou pas. Parfait. Tempête de sable. J'aime bien l'aspect de Rakaillou en fait. Allez, un punch. Ok. Défense plus, d'accord. Tous ceux qui travaillent dans la mine emmènent leur Pokémon. On risque de se proposer un combat. Tout instant. J'ai vu des Pokémon qui ressemblaient à des roches, ça me drôlement surpris. Ok. Bah, descendons à la mine. Ah, bonjour. Quel Pokémon ce sera? Oh, un Absarati. Ah, est-ce que je l'attraperai pas? Ouais, je pense que Nofserati, je vais l'attraper. Bon, même si c'est une femelle, j'ai quoi comme... Ouais, j'ai des mâles et des femelles. Bon, ça m'est égal si c'est mâle ou femelle. C'est vrai qu'un instant fer, ça m'intéresserait, en fait.
meurs pas. Nice, ok. Ok, sac. Bon, en fait, je peux faire directement X. Allez, Pokéball. Voilà. Je préfère avoir des Pokémon différents. Surtout qu'il peut être de type poison. Cet enfer. J'avais envie de le prendre, ouais. Non, pas de nom. Alors. Plus cher, d'accord. Ah, potion, voilà, merci. Pokémon, qui ça va être? On fera une... on avance vraiment l'histoire. Puis je pense qu'on fera des sessions de live. Aller attraper tous ces Pokémon. De toute la région là. Alors, point punch. Ok, Mysticra monte, hein. On va le monter de level un peu, parce que je sais pas quel level c'est dans l'arène. Ah, je crois que c'est lui le... Ouais, je crois que c'est lui le champion d'arène. Recule un peu le mon... Regarde, grâce à la capacité de éclat roche, je peux réduire la poussière de la roche, qui bloque le passage. C'est important de faire ça après un éboulement. Si tu obtenais le badge de notre arène, tu pourrais tout aussi détruire les roches qui te barrent la route. Bien sûr, pour ça, tu dois d'abord vaincre le champion d'arène, c'est-à-dire moi. Est-ce que j'attraperai pas un Rakayu pour ça? Moi, je pense que oui. Neuf sera-t-il. Je pense que oui, je vais attraper un caillou. Ça, je mettrai cette capacité. Puis s'il évolue en gravalanche, bah, il évoluera en gravalanche, quoi. Pas 9 sur la petite, s'il te plaît, un caillou. Merci, un caillou. Ah, purée. Ok. Alors, on va lui faire flamèche, comme c'est des attaques pas très efficaces. Ok. Il augmente sa défense. Parfait, ok. Aïe. Je suis con, je peux faire directement ça. Pokéball. Ok, parfait. Non, on va pas donner de surnom. Alors, allons au centre Pokémon pour aller affronter le champion d'arène. Merci de me bloquer. Après, on ira visiter un peu partout, là, la ville. J'aurais dû faire aussi dans l'autre ville, directement. Oui, donne-moi
ce qu'il me faut. Le champion d'arène. On va une fois sauvegarder par contre, une fois, si c'est vrai. Une fois sauvegardé, on n'a pas une seule fois save. Ok. Champion d'arène. Moi je vais affronter tout le monde, hein, si c'est clair. Oh oui, Stigram, tu vas faire le taf. Allez, fais le taf s'il te plaît. Rakayu. Il sent quel level? 10, ok. Donc lui doit être dans les alentours de level 15, ok. Roulade. Ça sera fort mal par contre. C'est super efficace, c'est ce que j'avais pensé. Il va faire roulade, il va faire mal. Et puis je crois qu'il va... Il a loupé. Bah parfait. La chance est avec moi. Il a raté. La chance est avec moi. Ok. Les autres montent aussi. Alors, heureusement qu'on a des potions. Donne-moi les potions, merci. Ok. Ok. Rakayu, j'espère qu'il sera un peu moins level. S'il a roulade, ça va être ultra chiant. Hein. Ouais, ça va. Il est plus bas. Moi, je suis level 13, ok. Boule armure, ok. C'est vrai que la roulade, il a fait mal. Ouais, je suis encore parti. Pas de soucis, pas de problème. Si tu dois faire des choses, y a pas de problème, hein. Ou si tu veux avoir d'autres lives, hein. Il n'y a aucun souci, ok. On a tous une vie différente. Hein. Ok. Ouh, un Onyx. Ah bah, fais-les. Voilà, tu veux que je te dise. fais-les. C'est un tas de trucs à faire, bah fais-les, voilà. Bon, j'essaie de choper des... choper des fées bas. Ok. Je connais pas. Je vois pas qui c'est. Bon. Allez, Onyx. Ça dégage. Lexi monte, ok. Ah, un point morsure. Ah, Barpo, ok. Alors, il apprend morsure. On va enlever gros yeux. Gros yeux qui ne sert à rien. Apprend morsure, ok. Alors, on va donner encore une potion. On soit assez haut level. Bon, champion d'arène.
Petite sauvegarde. Ok, bienvenue à l'arène de Cherbourg. Je suis Pierrick, le champion d'arène. Je combats fièrement aux côtés des Pokémon Roche. Bien, montre-moi tes compétences de dresseur aux forces des Pokémon. Pas de problème. Allez, viens. Bien seulement. J'espère que j'aurai assez de level et puis je peux te battre. En me connaissant, je serai encore capable de fail. Racaillou. Quel level c'est? Mystic Ram. Ah, 12. Ouais, d'accord. Faudra que je switch. Hein. Piège de roc. Ah, ok. Bon, ça va. Ça, c'est... Ouais, d'accord. C'est s'il y a un Pokémon qui vient, il se fera mal. Ok. Augmente ta puissance encore. Je sais pas combien de puissance il peut encore augmenter à chaque fois. Oula. Ah, roulade. Le saleté de roulade. C'est super efficace. Il y aura des sacrifiés, ça c'est sûr. Ok, Racaillou, il est là. Ok, level 14, parfait. Niveau 9. Plus 6 sur chaque stat, ok. Onyx. Onyx, je vais quand même mettre une potion. Pour assurer. Je préfère assurer. J'ai de pierre. Ok. J'espère que j'aurai assez de points punch. J'ai de pierre. Ok. C'est rien de bon. Allez, ça dégage, ok. Faudra que je sacrifie quelqu'un. Genre Tourmi ou bien Racaillou. Nosferapti, j'ai pas envie qu'il perde. Roulade. Qu'est-ce qu'il y a comme attaque? Polyrock, ok. Bah, prenons roulade. Ce Pokémon sera plus coriace que Kanitor. Changer. Et Tormi, tu vas être le sacrifié. Faut que je donne du soin à... Ah bah voilà, je rock à fonctionner, ok. Non, donne-moi la potion. Je vais l'utiliser deux fois. Ouf. D'accord. Racaillou. On va tenter comme ça, on verra bien. Gros yeux. Oh bah parfait. Si je peux l'attaquer une fois puis le réduire, je dirais pas non. Ça. Roulade. Il sait que la défense c'est sa spécialité à Racaillou. Il esquive l'attaque. Ok. C'est quoi cette attaque? Oula. Allez. J'espère que t'auras assez Mystic Ram.
Bien sûr, putain de piège de rock. J'ai peur ces attaques roche. Non, putain, j'étais sûr. Je pense que j'aurais perdu. Je pense que j'ai perdu. Alexis. Allez, morsure. Gros yeux. J'abandonnerai pas. Oh, mais il me fait chier avec son piston machin. Ouais, je pense que j'ai perdu là. Là, j'ai complètement perdu. J'ai pas de rappel, j'ai rien. Ouais. Et bah, c'était une lose. C'est une première lose. Mais comment il peut avoir. Alors, vol de vie. Putain, mais il one-shot tout le monde! Bon bah. Bah, c'est lose. Fait lui vraiment très très mal. Oui, nice. Oui. Oh bah, d'un coup, j'aurais dû faire ça directement. Bon, tant mieux. Ok, on a réussi. Parfait. Reflet. C'est qui apprend reflet? Non, pas fait spécialement. On a battu le champion d'arène. Bon, on a perdu la première fois, mais on gagne la deuxième fois. Parfait. Alors. On est à combien de temps de vidéo? Ah! Mysticram évolue! Oh bah parfait! Ok! Bah voilà! Première évolution, félicitations! Mysticram a évolué en Chimpon-feu. Est-ce qu'il apprend une attaque, Chimpon-feu? Chimpompin veut apprendre ma match punch. Voulez-vous? Oui, on peut, ouais. C'est un type combat, donc oui. Provoque l'ennemi, oblige à utiliser que les attaques 3 tours. Ouais, bon, non, on dégage ça. Oula. Parfait. C'est un peu embarrassant de perdre contre un dresseur qui n'a même pas de badge. Bonjour Starming, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je dois te donner le badge notre arène puisque tu m'as battu. Voilà le badge charbon officiel de la Ligue Pokémon. Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. On joue à Pokémon comme tu vois. Pierrick vous donne le badge charbon. Le badge charbon permet d'utiliser la capacité secret éclat rock. Tiens, je te donne aussi. Vous obtenez la CT 76. Ouais, 76. Ouais, 76, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'était piège de rock. Ah, piège de rock. Joue auquel? C'est putain. C'est diamant. Diamant étincelant. C'est le dernier jeu Pokémon qui est sorti. Vous recevez le sceau utilisé par. En fait, une CT permet d'enseigner une capacité de Pokémon. Mais tu l'utilises. D'accord. Ok, d'accord. Je vous dis tout de suite, je vous parle tout de suite les gens. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein. On a fini avec le badge là, on va arrêter la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, la suite au prochain numéro.